qu'aujourd'hui on a des poissons 100% amazoniens, de souche sauvage pour la plupart. J'en ai eu pour 71€. Des fois, en bourse, il y a effectivement moyen de faire des bonnes affaires et de trouver des poissons à prix accessible. C'est ça qui est cool quand les éleveurs veulent jouer le jeu. Je vais pas vous le garder secret plus longtemps. Au niveau population, on est sur des bases très très simples. Un groupe de poissons majoritaires qui vont pouvoir se reproduire, qui vont être très sympas, qui vont être un groupe d'apistogramma. Un groupe de poissons fouisseurs pour le sol avec un beau substrat comme on a ici. On part sur des corridoras, ça va permettre de garder le sol propre et en plus de ça d'avoir un petit peu d'animation au sol. Peut-être dans le futur on pourra ajouter de l'hypancistrus, pour l'instant il n'y a rien qui est prévu, mais en tout cas c'est possible. Et d'ailleurs j'ai ma pompe de Panacolus L397 et pendant que j'en parle ce serait peut-être intéressant d'en mettre quelques-uns dans l'aquarium à réfléchir. Et en troisième espèce on a le classique Cardinalis. Maintenant au niveau des espèces plus précisément,